Monsieur, dame la société, bonsoir. Et moi, dis tout le monde, bienvenue dans l'émission L'invité du midi pour aujourd'hui. Depuis quelques temps, il y a deux jeunes garçons, Joshmi Jean-Baptiste et Pascal Adrien, qui ont fait premiers amis dans la politique, qui ont participé dans un cabinet au premier ministre, qui, à la suite expérience ça, fait sortir un livre qui est tout uni. Dans le livre, ça, Monsieur Sayo, tape à la fois témoigner et puis dénoncer ça comme mauvais acte gouvernance et mauvais pratique l'État. Depuis quelque temps, M. Sayo mettait tête ensemble et puis il a claironné une série de paroles en la société pour transparence. C'est ainsi que il a lancé le mouvement tout uni qui côté il a fait promotion pour l'accord global sur 25 l'année. Je ne jeudi à dans l'émission L'invité du midi, nous allons recevoir pour vous Pascal Adrien qui va le parler nous et qui va le dire nous. Qui ça qui gagne en dans accord global 25 l'année ça que mouvement tout uni en lui-même lui proposer pour nous sortir dans crise que nous y est depuis quelque temps. Bonsoir Pascal et bienvenue. Bonjour, bonsoir Samy Janvier. Merci pour l'invitation. Un bonjour spécial à tout internaute qui suivent l'émission quel que soit côté vous, sans pas oublier évidemment saluer ensemble dirigeant Mouvement national pour transparence tout uni qui a suivi l'émission dans le moment que nous avons parlé là. D'accord, Pascal, merci et du fait que vous venez aujourd'hui pour nous parler de mouvement ça, que vous même avec Joshmi Jean-Baptiste, et puis depuis quelques temps, moi, nous avons ensemble de l'autre monde qui a intégré le mouvement. Donc, sur un accord global, 25 ans qui a sorti nous dans ça, nous est là. Nous pensons ça. Alors, avant d'arriver dans. Chantier défini accord global là. Nous pensons que nous parlons de accord global, c'est parce que l'évident pour nous-mêmes que crise là pas seulement une crise politique. Okay. Si c'est une simple crise politique, l'étape évident que un accord politique capable de résoudre crise là. Mais puisque crise là charrie pour nous-mêmes au moins trois dimensions. Une dimension politique, évidemment, une dimension sociale, mais tout une dimension économique. L'éclair dans la réflexion que nous faisons dans le mouvement national pour la transparence tout uni que la crise globale, accord global. Donc, dans ce sens, ça, pour nous-mêmes, il est évident que ça capable de retirer le pays dans sa lié-là, c'est un accord qui tenu compte de dimension politique crise-là, de dimension sociale crise-là, de dimension économique crise là. Et si on a erreur que nous souvent fait dans l'histoire pays a notamment dans près de 35 ans de transition démocratique yo, c'est que à chaque fois que crise globale là, li gagne des manifestations d'ordre politique, nous résumer manifestation politique ça yo à crise là en général. Or, il n'en est rien, li clair que je dis ya si c'est pas un accord global que société a lui-même li défini, l'a vraiment difficile pour nous sortir dans ça ni là. Mais gon l'autre implication accord global là lui-même li pote sur table là. Si son simple accord politique, c'est uniquement les acteurs politiques du pouvoir, de l'opposition qui appelé pour yon bon table là. Mais là où dit un accord global, cadre là lui-même li élargi. Ça veut dire l'ensemble de monde qui a bon table là pour nous parler pays et pour nous joindre un ensemble de portes de sortie, c'est non seulement les acteurs politiques, ça qui n'a pouvoir, tant que ça qui n'a opposition, c'est société civile là dans son ensemble, organisation de jeunes, yo, paysans, femmes militaires, sans pas oublier moun k'ap milité dans affaires droit moun, mais c'est aussi ensemble moun qui dans ça nous relé aujourd'hui à le secteur privé des affaires. Donc c'est tout ça qui caractérise yon ti différence, yon ti subtilité que ça mouvement national pour transparence a prôné a par rapport justement à l'autre monde qui a parlé d'un simple dialogue politique. D'accord. On regarde et Pascal Adrien rapidement parce que yon nan bay qui est important dans pile proposition de sortie de crise que différents secteurs, différents groupes fait mais on toujours garder réaction moun yo et notamment sur les réseaux sociaux à travers les médias dit entre guillemets traditionnels réaction mounio par rapport à la proposition de sortie de crise ça yo souvent mettait en cause acteurs qui proposaient autant que proposition ka belle li ka intéressant li ka gon certaine logique mais yo toujours mettait en doute acteurs par exemple et nous même dans Toutouni
qui à un moment de la durée t'es fait partie de une équipe qui t'a collaboré avec pouvoir en place. Nous t'es dans le cabinet Jean-Henri Seyen qui était premier ministre Jovenel. Et comme sous l'impression mon t'a dit ah nous un peu responsable de ça qui passé là puisque nous t'a collaboré avec gouvernement tout. Problème crédibilité ça ou bien problème et confiance ça comment nous d'abord qu'à résoudre avant de commencer à parler des accords. Bon, ça qui est important c'est accepter le principe que dans la démocratie chaque monde est capable de bagarre aux gens. Au contraire, c'est parce que nous pas bagarre aux mêmes gens qui fait que à un certain moment nous a décidé chita pour que nous définions accord ou désaccord yo. Et nous pensons que ensemble espace socialisation politique yo yo gon gros rôle pour jouer dans ça ça. Nous pensons que nous gain crédibilité et capacité pour mener un débat ça sous transparence dans la société hein, c'est nous penser que moun yo fait nous confiance c'est pour nous faire travailler ça. Nous penser ça. Et jodi a m'a bon indicateur très simple. Pendant m'a parler voilà, m'a pas bon menti, m'a pas fouti jou ensemble de communes dans pays a. Côté que gain des groupes organisés qui sollicitent nous pour que nous vienne faire atelier travail ensemble avec eux, pour que nous vienne faire conférence débat brasser l'idée dans mi-temps yo. M'a pas raconter tout combien structure politique qui ne serait qu'avec directoire structure ça yo, yo invité nous pour venir présenter ça que nous relé accord global là. Maintenant, qui ça qui est important que supposé fait comme travail. Bon travail en profondeur qui mérite fait au niveau de parti politique yo. Au niveau de organisation politique. Mon cher, formellement nous poko à 100% boucler tout processus pour nous légaliser comme parti politique. Mais nous entamer le capable dire processus là. Donc, il est clair que le NAVA, dans les jours à venir, un parti politique, comme on est nous courant pile dans la communication, donc nous mettons tout le monde au courant de ça, et je pense que ça fait un pile citoyen et citoyenne plaisir. Ça, je dit tout à l'heure, c'est important dans la structure pour que les valeurs démocratiques nous cultivent, nous pratiquent. De telle sorte que nous courons à chita parler, pas chita parler seulement entre nous-mêmes comme structure, avec les gens qui sont là, mais chita parler depuis dans la structure là même. Donc valeur démocratique yo faut que parti politique yo commencer inculquer à adhérents yo inculquer à militants yo. Donc li clair que tout à l'heure t'a posé un problème de confiance, mais ça qui est important jodi a responsabilité pour nous changer pays a c'est à nous-mêmes haïtiens que l'incombe. Donc à tout moment que priorité a c'est mettre pays a sur rail développement, faut me capable chita avec Sami, faut que Sami capable chita ensemble avec moi quitte à ce que nous dit m'gen des bagages pour reprocher Sami gen des bagages pour reprocher mais pour bien commun ça que nous gagne que c'est Haïti ya eh ben n'a chita pour définir les intérêts comme c'est nous qui là parce que par exemple c'est sans pas rentrer dans les détails on prend prédécesseur nous on prend père fondateur yo ou penser que Dessalines pas gagne des contradictions majeures avec Pétion c'est évident que il y a contradiction bon tellement que par la suite où est ça qu'va arriver. Li clair tout que en monde tankou et Christophe et différents l'ordre général te gen pile contradiction par rapport à origine yo, par rapport à statut yo, par rapport à couleur yo. Mais pour yo te ban nou sacré l'indépendance là, il a fallu à un certain moment que yo entame un processus de dialogue. Chita parler pour yo garder oui yo gen pile différence, mais qui ça capable cimenter en union pour un objectif qui aller plus loin que intérêt personnel yo. Et me pense que c'est dans le même contexte ça que nous vous dit ya un pays qui déchiré, un pays qui en lambeau. Donc li clair que vous dit ya nous-mêmes comme haïtiens différents partis prenants différents protagonistes yo faut que nous capable chita. Mais attention, nous dit c'est pas chita pour nous garder uniquement question en surface, faut que nous aller en profondeur. Et aller en profondeur veut dire faut que nous joignions accord non seulement cap garder problèmes politiques immédiats et structurels qui gagnent yo, mais aussi et surtout ça mi-janvier pour nous garder complexité problèmes socio-économiques que nous gagnons là yo qui j'en capable créer un climat qui permet que dans la durée nous arriver attaquer yo pour pays à suspendre un pays aussi inégalitaire que nous connaît dans moment que n'a parlé là. Très bien. N'a pas été un petit casse encore sur question actualité politique là en tant que telle. Et puisque on va parler de 25 ans, donc nous-mêmes on plus un projet qui sur l'avenir. Très bien. Et si nous regardons réel politique là dans le dernier moment là, nous avons un président
qui dit que le mandat a fini 7 février 2022. L'opposition lui-même, il est sous la corde raide toujours, même si on parle de quelques monde qui a essayé de négocier avec le président Jovenel Moïse pour joindre une solution à la crise. Et ponctuelle là, crise conjoncturelle là, et j'en te qu'a dit. Et tout ni lui-même, qui va situer? Nous situer l'opposition, nous un peu au milieu ou bien, et sous qui position nous campé Kounia là? Nous situer dans l'accord global là. Sans que, jodi a, ou gagne Haïti comme un pays qui gagne un clivage politique là-dedans? Oui, mais ça, nous avons un problème à ce que Jovenel était jusqu'au 7 février 2022. Ou bien au-delà de 7 février 2022 même, mais qui parce qu'il y a une urgence à traiter là, Kounia, même si on a parlé de l'accord 25 ans, mais et pour Kounia là, c'est-à-dire chaque jour, bon Dieu, il y a kidnappé monde, une situation d'insécurité dans le pays, hein, nous-mêmes, nous disons nous que nous ne pouvons pas chercher solution à un problème ça, qui est trop conjoncturel et immédiat. Plutôt, nous voyons un peu plus dans le temps pour nous regarder ce qui a passé. Bon, nous-mêmes, nous pensons que aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que à tout moment dans l'histoire du pays, les clivages politiques sont présentés, ont une logique manichéenne qui veut imposer l'espace public. Là. À savoir, à un certain moment, c'est ou bien où tu m'écoutes. Ouais. Ou bien ou la Valasse. Ouais. Récemment, c'est ou bien ou tête calée ou bien ou la Valasse. À un certain moment, notamment avant 2004, c'est ou bien t'es la Valasse ou bien t'es GNB. Ouais. Et jodi a bagay la retourner encore à tout moment que n'a parlé de l'actualité politique calé, là, c'est ou bien tête calée ou bien ou en face tête calée etc. Ou l'opposition. Moi je pense que et mouvement national pour transparence en général pense que type de clivage ça yo type de réflexe manichéen ça yo faut dépasser yo à un certain moment ensemble le monde qui était considéré comme progressiste parce que dans pile combat légitime que on menait contre dictature du Valier dans constitution 87 là clivage là fait que nous dit ma coûte pas là dedans ma coûte yo bon côté pa yo puisque yo di c'est deux camps qui bataille faut que yo joine un gens quand même pour que yo rive combattre projet qui en face là et yo fait plusieurs gens ou rappelo Ariel Vaillant ou rappelo coup d'état que Jean-Bertrand Aristide prend en 91 et ainsi de suite mais pendant toute période ça c'est transition démocratique là qui déjà pas amorcé mais malheureusement nous pas de jamais créer un climat de sérénité et d'apaisement pour nous consolider la démocratie naissante à travers les institutions. Un fait est certain, 87 à aujourd'hui, nous n'avons pas jamais mis le conseil électoral permanent en campé. Parce que justement, tellement gagné un clivage qui fait que nous résumons l'histoire du pays à deux camps qui affrontent, chaque camp tient à ce que c'est eux-mêmes qui ont contrôle bout de conseil électoral provisoire pour faire l'élection par eux. On dirait que bagaille résumé à qui gens pour me terrasser quand je suis au pouvoir là, quitte à ce que l'homme sous pouvoir, quand que me viennent remplacer, lui-même tout, lui converger toute énergie, pour damer le pion. Son cycle infernal, de bataille qui fait que, politique. Justement, qui fait que, en 35 ans, nous pratiquement passé à côté de transition démocratique là, parce que c'est clair, le ou dit transition démocratique, livre dit, ou sorti dans un régime dictatorial qui gagne des lois, qui gagne des principes, qui a tout un ensemble de réflexes que l'on fait intérioriser. C'était de la dictature, mais c'était organisé. L'organisé. Mais maintenant, transition, on veut dire que ce n'est pas un bouton que m'a pesé pour m'en download démocratie. Ya. Donc, il y a tout un cheminement. M'a sorti non point A, m'a non point B. Et le cheminement, ça qui fait, c'est la mise en place d'un ensemble d'institutions qui pour assurer que l'édifice dictatorial là li rive met do la terre pour que la démocratie li même li prend jarrette. Or qui s'arrive à un certain moment ma coûte pas la dan à un certain moment Pellebrin à un certain moment la pakaka la balance pas la dan et cetera opération Bagdad 2 à un certain moment ah moun qui fait 86 yo yo échoué bon vagabond en pito 2011 tête calé à un certain moment Petro Caribé en moi c'est coup c'est tête calé qui responsable en nique déraciner puis tout problème après résoudre nous pensons que aujourd'hui a leadership là veut dire qui ça leadership là veut dire que faut que des moun qui capable assumer une autre lecture de histoire pays a
qui est capable d'assumer une autre lecture de qui ça nous suppose faire comme société pour nous changer la vie de Pierre, de Jean, de Jacqueline. Leadership papa veut dire que je viens dans l'émission et puis je vais veiller qui ça tout le monde pense pour juste une répéter le tout. Pour faire plaisir. Je pense que vous l'achetez ambiante comme ça. Dans l'écosystème politique. Là. On suivisme. Il y a un suivisme. Mm-hmm. Et malheureusement, on suivisme par le haut. On veut que les gens qui ont tel qu'on parle, et puis parler même gens. Moi, je pense que je dis, le mouvement national pour la transparence n'a pas de raison pour un jour. Il n'a pas de raison pour un an. À un certain moment en 2004, il y a des gens qui ont de raison dans le pays. Ne serait-ce que momentanément. Le yo dit, il y a voué Jean-Bertrand Aristide aller à l'époque, c'était dictateur qui a dit, il y a voué aller. Leur te dit à vous Jean-Bertrand Aristide aller à l'époque, c'était criminel là. M'a répété mon par yo que te dit à vous aller. Mais un fait certain, yo tout voyé symbole là aller tout. 17 ans après, où est-ce qu'on en est? Oui. Le 2004 a fait. Moi c'est sous bonne l'école moi, dans 5e secondaire, Guy Philippe vient dans l'école là. Zam à la main pour la vérité pour l'histoire, pas entrer à Zam dans sa le classe là. Mais ça pas t'empêcher que me traumatiser 14 ans à l'époque. Et puis son discours libération qui t'a parlé. À l'époque, le mot cap, dans la zone où j'ai été, moun sa yo qui te vini, qui se sorti Saint-Domingue, qui vini au cap, qui prend commissariat et autres, yo te rele yo les libérateurs. Mais 17 ans plus tard, Guy Philippe le libérateur, ironie de l'histoire, monsieur, na prison aux États-Unis, Jean-Bertrand Aristide, pour même catégorie de moun à un certain moment, qui t'a diabolisé dans 2004 là, m'a suivi réaction yo. Récemment, le monsieur a fait graduation quand il était jeune, etc. Mais moi, puis, mon abat bravo. On saisit tout. Ça veut dire qui ça? 17 ans plus tard, on l'a dit gens que l'histoire arrivait écrit. Et où est tout le monde? Et moi, je dis ça. Le petit monde, et moi, probablement, d'après ce que expliqué là, relativement plus grand que vous, là, on dit non, on est quoi? René Civil devant, me tremblait. Parce que René Civil était représenté à l'époque. Ouais, ça le représenté, ouais. Je ne jamais dit hein, et moi regardé moi l'opposition démocratique qui a fait de poster et puis René Civil comme parmi monde qui a défendre la démocratie, je ne jamais dit hein. Et puis bon l'homme était dans des échanges avec des collègues et des camarades internautes et puis moi dit yo, on pas étonné ouais de monde que je ne jamais dit hein, n'a diabolisé, n'a dit que c'est dictateur, vine demain si Dieu veut de chantre de la démocratie qui va le trouver en opposition, qui va défendre de bail. Alors c'est ça, nous-mêmes nous disons, nous ne voulons pas gagner une raison pour yon jour. Fon sorti dans cycle là. Et qu'on gagne un sorti dans cycle là. C'est en pile sérénité, accepter chita parler, accepter faire dépassement pour nous poser problème et pour nous résoudre de façon institutionnelle. Parce que, vous rappelez tout ça que nous avons critiqué à raison, évidemment, le régime Duvalier. Est-ce qu'on connaît le Duvalier aller? Vinn yon ministre justice à l'époque sous CNG ou bien après CNG, c'est le ministre Saint-Fleur, monsieur font rapport. Son rapport qui documenté ensemble de mauvaises pratiques de corruption par rapport à l'argent qui dilapidé que les pompes du régime Duvalier a yo même yo t'ai fait. Mais est-ce qu'on connaît que de 86 à aujourd'hui, il n'y a pas d'un procès réel qui a enclenché malgré la production de ce rapport? Nous avons monté Pired, nous avons le rapport Paul Denis. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que c'est émotion. Ah oui, nous avons débarrassé de yo. Yo pas été bon. Pelle bon. Ça veut dire qu'on boule plutôt. Alors que démocratie oblige, il aurait fallu que nous renforcions l'institution qui est la justice là. Que de manière pédagogique, nous traçons exemple, et moun qui te commet des crimes de sang, et moun qui te commet des crimes financiers, de telle sorte que nous permettons société à traçons exemple. Non pas un exemple de moi même qui prend bout de bâton sous base que je suis démocrate, je parle tout yé, un moun qui est attaché ou bien que ma coûte, mais la justice qui rivait tracer exemple. Donc c'est sous base à vous dire, nous pas entrer dans quelle logique manichéenne, c'est ou bien n'a pas supporté pouvoir qui est en place là, ou bien aveuglément nous au niveau de l'opposition. Nous-mêmes nous dit en 2004, nous n'avons pas droit à la parole. En 2004, c'est subi, nous avons subi l'histoire. Je vous dis, avec un pile humilité, nous voulons mettre pied nous à terre pour empêcher que nous continuions à pérenniser ce infernal là. Et qu'on graine bagaille qui a poté pour nous. Nous ne pouvons pas entrer
dans contrebande cartouche, on pas entrer dans contrebande zame, autrement dit, on pas prendre les armes vous dire côté me vendre zame. Donc si on pas prendre les armes et si profondément moi crois que chita parle si on a plus gros valeur gain dans affaire démocratie, eh ben pas gain l'autre bagaille. C'est écrit la structure de l'opposition, écrit l'autre structure qui a supporté pouvoir, parler ensemble avec eux à tour de rôle avec un pile respect évidemment de contenu accord global sur 25 l'année, il y a fait des propositions, il y a des bagailles il y a d'accord avec elle, il y a des bagailles pas d'accord avec elle, quitte à ce que société a en général l'irrivé dit sous 25 prochaines années, mais qui ça m'a baillé tête comme priorité développement. Gon bagaille qui est important pour mon cap suivre, ça m'est jamais sous permettre rapidement. Nous profondément croyons en démocratie, veut dire tout que nous penser faut qu'il y ait conditions qui rivent réunies à un certain moment pour que le peuple a fait choix à travers les élections. Cependant, gon piège. Qui piège? Élection c'est espace en pile émotion. C'est espace en pile menti. Au terme de l'élection, yo, un an après, on va parler avec un pile déception. Élection, c'est un piège à con. Son piège à con, etc. Pour répéter moun ça. Jodi, à minimum expérience que nous faisons dans l'État, il y a au moins trois choses qui nous arrivent en temps de nous soli. Un, budget qu'il a. Et là, je dis budget qu'il a, je ne parle pas de budget 2020-2021 seulement. Le budget de l'État haïtien. Son budget qui est tellement rachitique. Ou pas capable de planifier un développement systématique à partir d'un pareil budget. C'est le premier bagaille. Déjà. Deuxième bagaille, dans le même budget qui est aussi rachitique ça, l'essentiel le budget a son budget pratiquement, on est capable de dire, de fonctionnement. De fonctionnement, vous payez des salaires. Ça veut dire, c'est à peine si vous payez employé avec budget. De fonctionnement institutionnel. Ça qui était pour investissement, son bagaille qui vraiment pas camper sur rien. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille nous dit sous base ça en 5 ans pas de miracle possible. En 5 ans. Ça veut dire pas une possibilité pour un gouvernement venir bonne mentir là. Pas aucune possibilité pour n'aller quitter que encore une fois pour venir bonne mentir là parce que l'on regarde volume pour mais ce que acteur fait en période électorale. C'est à croire que Haïti a un budget de 10 millions de dollars américains. 10 milliards de dollars américains. Tel n'est pas le cas. Là, en moyenne, si on a fait calcul, c'est 2, maximum 2,5 à 3 milliards de dollars américains. Donc, c'est un premier bagaille. Deuxième bagaille. Alors, troisième bagaille. C'est des rêveries. C'est des rêveries. C'est des vœux pieux. Troisième bagaille que nous arrivons à entendre nous sur lui. Même si en Haïti, par rapport à la complexité de crise, là, nous avons tendance à dire que tout est prioritaire, qui gagne en vérité derrière lui, dans le sens que l'éducation n'est pas campée sur rien. Santé pas campé sur rien, infrastructure en général pas campé sur rien. Elle dit, quel que soit côté humain et malade là vraiment un problème. Comme malade là fait le mal, et malade là c'est pays. Cependant, nous dit, 25 ans dans le temps relativement long, sont chances que nous offrir pour que chacun que nous définissions un chantier prioritaire. Et le fait que, ensemble de plans, ça y est, c'est un bagage que nous avons défini de manière participative, société a mis d'accord sur lui, eh bien, a gagné en légitimité par rapport à l'application, hein, qui fait que pas tellement gagné de frustration de un secteur par rapport à l'autre pour que nous retournions dans un cycle d'instabilité encore. Un exemple simple. Jodi, à premier quinquennat, côté les Jean, côté les Jacqueline, côté les Pierre, mais pas gagné qu'à expliquer que premier quinquennat, priorité à pas sécurité. Oui. Et là, nous dit sécurité, ça veut dire fait que l'État haïtien reprend contrôle territoire. Parce que n'importe qui là qui fait un bon bout de filo qu'on est, l'État, premier bagage que théoriquement le doit garantir, c'est sécurité des vies et des biens. La circulation des individus. Li clair. L'État, c'est premier bagage que le supposé garantir. Quoi après lui? Et l'autre, quoi, pour aller, quel que soit auteur classique, là, ça, et même dans la réalité, les affaires sécurité sont bagaille incontournable depuis l'État pas en mesure pour offrir ça, par l'État encore de fait. Donc, ça, c'est la première priorité. Cependant, il y a des gens qui peuvent dire, oh, comment on a fait 5 ans pour dire que c'est sécurité priorité? Qui savent comprendre? Dans la simulation que nous essayons de faire, là, nous disons sécurité,
nous pas résumer uniquement aux questions de la police ou bien l'armée qui gagne zam lou et puis cap marché faire opération tout partout. Premier c'est élément dans simulation. C'est pour 5 ans qu'on va passer dans des matchs les gangs. Justement, pour le premier côté nous main dans simulation hein, c'est un contrôle systématique au niveau de la douane. Ça mi janvier, mettre bon on M4, on M1, on M16. Si m'a bon cartouche pour lui, son bout de bois dans mon. Un bout de bois. Ça veut dire nous pas dit problème n'a pas un problème de quantité d'armes illégales qui dans pays. Me songe grand pilote d'op qui était qu'on fait et changer et a fait zinglendo, là allant bas la ville, on l'acheter tia fort et bon nègre allons zam sous et puis il prend quoi pour dans mon. Yo t'ai qu'on expliqué en pile fois zam ça c'est juste zam non, il pas gain munitions. Donc li clair que je dis a fort capable en mesure pour couper circuit d'approvisionnement en munitions. En général. Et qui côté pour mener bataille ça, c'est à travers une institution que la douane. Et vous permettez-moi tout. Et dernièrement, nous avons eu quelques échanges avec des gens qui croient que y a un travail qui a fait au niveau des médias, il y a des films qui ont diffusé dans la société. Films qui ont contribué à créer des réflexes. Des réflexes, etc. Violents, etc. On dit soit. Mais moi-même, j'aime tes timons, et jusqu'à présent d'ailleurs, je suis fanatique de films d'action, films de gangs. Mais, Mortal Kombat. Lorsque tu regardes film, autant tu as vu un gang, c'était vrai. Ou pas des exemples devant. Mais tout autant. Ou pas accès à ZAM. Ou pas accès à ZAM, ou pas accès à munitions. Ton rêve de gangster. La mourir dans le berceau. Oui. D'accord, avant. C'est ça que fait, ou rejoindre nous, contrôle systématique la douane, c'est important. Et. D'entrer pays, que ce soit à travers frontières terrestres, que nous avons avec la République dominicaine, que ce soit à travers frontières aériennes, par rapport à avion, etc., que ce soit par rapport à frontières maritimes, à travers bateau, ou mettons contrôle systématique, et on dit que ce n'est pas la douane en soi, non, qui est intéressant. C'est dans la logique bataille contre l'insécurité, où on est institution, ça lui-même, extrêmement important pour renforcer. Li. Mais qui ça vient arriver? Comme tout est lié, automatiquement, qu'on met ton contrôle drastique la douane, pour mener une bataille contre la contrebande cartouche ou tout mener une bataille globale contre la contrebande en général. En général, oui. Or, qui s'achève au bail seulement sous frontière Haïti avec Saint-Domingue, ou gagne en moyenne près de 500 millions de dollars américains qu'on a perdu chaque année. Ça veut dire graduellement, pendant la bataille contre la sécurité, ou qu'on justement capable. Ou qu'on a une augmentation qu'on capable bailler le budget. Quitte à ce que l'augmentation ça le budget, c'est lui qui va permettre qu'on est là ou faire un round-up pour garder qui ça la police a besoin comme matériel, qui ça la police a gagné comme équipement et comme priorité sécurité tu veux dire depuis dans budget ou augmenter budget la police ou augmenter budget l'armée ou autre, ça veut dire même au niveau de salaire yo, ou capable revaloriser quoi le métier ça sans pas oublier un ensemble de avantages sociaux. Mais, en termes de accès à santé, tout un ensemble de l'autre question. Est-ce que là, nous ne pouvons pas supposer remonter un petit classe pivot toujours? Parce que depuis la question de ZAM, depuis la question de munitions, nous, on a fait pratiquement, ça nous a une sorte de mafia transnationale. Très bien, très bien. Est-ce que, au niveau diplomatique, tout, nous ne pouvons pas commencer par. Parce que, l'on parle de sécurité comme une priorité, il y a pas une priorité de diplomatique. Mais bon, donc, c'est bagaille. Est-ce qu'on ne peut pas supposer négocier parce que Haïti n'a pas fait ZAM et il y a un pays qui, soi-disant, pays ami Haïti, qui a vendu nos ZAM. Et monsieur, que ensemble, membres qui dans le mouvement national pour la transparence, qui a tant de ça, ils sont contents. Parce que c'est dialogue là que tout commence là. Gardons pour un peu, malheureusement, dans la simulation, nous ne pouvons pas mettre. Mais dans l'échange, où tout vient ensemble avec elle, est pertinent. Ça veut dire, au terme de la réunion que nous avons gagné après l'émission, il faut garder comment nous sommes capables de tenir compte de l'aspect ça. Et c'est ça que nous voulons faire, justement, avec les différents partis politiques. Ce n'est pas dire, nous avons un accord tout fait. N'a pas imposé le nom, mais comme c'est des acteurs politiques qui sont dans l'écosystème, dans le même genre avec nous, nous voulons garder ensemble avec eux. Au lieu que nous résumions les choses en question de jeudi, demain matin ou les 5 ans à venir, comment, même avec certains autres pays qui font avant nous, nous sommes capables de considérer le temps beaucoup plus long de 25 ans et pour nous garder les priorités. Maintenant, dans la même question de sécurité, il faut moins une question de cadre d'assalatorie. Parce que jeudi, la question de gazam, ce n'est pas seulement pour rançonner les gens, mais c'est pour arriver à faire jus, faire beurre à travers propriété.
foncière là tout oui dans sens que gon terre pour joindre là dans Chavanne là gain 20 moun qui met li et tous les 20 moun yo gain papier tout oui autant dire que ou pas cap parler de renforcer sécurité pour seulement la force publique l'armée et la police ou pas cap parler de sécurité pour uniquement contrôle à travers douane yo contrôle à travers et toute porte d'entrée pays a pour empêcher ou gagner cartouche avec des armes cap circuler donc système judiciaire là en général faut ou moyen li tout. Et ça veut dire dans 5 exercices fiscaux qu'a gagné dans premier quinquennat bon ventilation qu'on va pas faire dans budget qui permettent que priorité ça refléter et qui permettent tout que contrairement à ça nous sommes fait dans 35 dernières années là à savoir n'a pas l'empile n'a mené des luttes politiques et puis institutions yo dans la graba son chance que nous tout offrir tête nous et à génération qu'a venir yo pour nous tout bas démocratie à j'arrête à travers l'institution mais bon grand pas qui important tout. Comment qu'a fait à parler de sécurité pour pas faire un diagnostic de 35 dernières années là pour voir que sortir l'instabilité politique là y en a moment que l'exprimer avec plus force avec plus acuité c'est dans moment élection ouais ben écrit l'élection hein pas bon menti dans histoire transition démocratique haïtienne là li mené crise dans au moins 3 moments avant élection crise, contestation par rapport à KEP, par rapport à ceci, par rapport à cela, il rappelle bien. Oui, et puis souvent c'est des gouvernements après là-bas ou des gouvernements électoraux. Pas oublier, 2004, pas arrivé en 2004. 2004 commencé depuis en 2000. Depuis en 2000, dans l'élection, contesté, etc., etc. Jusqu'à ce que bagay la prend maturité, le prend maturité, et puis boum, l'arrivée éclaté, refus de dialogue de part et d'autre à des moments différents, jusqu'à ce que c'est international là qui vient, qui impose nos saletés. Maintenant, KEP permanent, dans quelques ça mes amis, ou pas qu'à dire qu'on voulait partir pour 25 ans de stabilité politique au service du développement socio-économique, pour ces bout de KEP provisoire qui est toujours là, à savoir si c'est le mouvement national pour transparence qui prend pouvoir, on dit ah, papa, bon, je vais former un KEP pas maintenant. De telle sorte que ma va gagner moun que mon gain garanti cap élu plus facile dans chambre nan même si ça m'a pas pour lever bonne pour ça tout ensemble de l'autre question m'a dit ça maintenant ça c'est grosso modo yon premier quinquennat côté que société a d'accord que mon cher ça vaut la peine oui que nous accorder priorité à sécurité a et l'an de société a livre dit tout si demain matin c'est Sami Janvier gon structure politique qui prend pouvoir moi connais que indépendamment que c'est moi ou c'est Sami, voici la priorité, voici la feuille de route. Fini question mensonge dans l'élection, pas l'empile qui pas utile nous rien. Mais nous dit comme société, le tout est beaucoup plus important que l'ensemble de ses partis et le tout est beaucoup plus grand que l'ensemble de ses partis. Livin sous qui est-ce qui a un plus bon plan? Livin sous qui est-ce qui a un plus bon plan par rapport à la sécurité? Quitte à ce qu'on dit non, ça dit a pas réaliste, mais qui j'ai pour nous, mais nous connaît globalement, n'a pas renforcé sécurité et ce faisant, n'a permet tout que, comme nous dit, puis bon plan pas marcher sans budget, il faut être en mesure de financer son développement, n'a tenu compte de capacité pour que plan que n'a poté a, de part et d'autre, ensemble de leviers n'a pas le moyen, li capable permettre que nous refléter dans un budget qui en mesure justement pour soutenir, j'en dis là, faut le potable. Mais deuxième chantier, comment vous voulez pour finir créer sécurité? Alors, avant de finir, question. Sécurité, insécurité, li marche tout avec vulnérabilité. Certains mouns dans série de zones qui pas ouais l'État ni en noir ni en blanc et qui gagne des civils armés, c'est eux-mêmes qui barrent de l'eau, c'est eux-mêmes qui barrent manger, etc. Donc question protection sociale là, même s'il pas vraiment en priorité, mais quand même. Non, il fait partie de sécurité. Faut qu'on maye un paquet de sécurité là, ne serait-ce qu'on va cibler par rapport à attaquer sécurité là sur le plan structurel. Exactement. Ça lui-même pas décapable. Détruit foyer bandit. Exactement. Et asseoir légitimité l'État à tout. Parce que non, c'est deux ans, je vous dis, l'État pas veut dire rien. Parce que moun n'a senti que c'est moun que ou les chefs gang qui bal sécurité, c'est moun que ou les chefs gang qui bal manger et ainsi de suite. Policiers là complètement implosé. Etc. Maintenant, deuxième et aspect qui arrive dans deuxième quinquennat, comment on veut pour finir ranger cabane sécurité correcte, budget augmenté à partir de bataille contre contrebande, mais comment on veut pour pas accorder priorité à maintenant à investissement? Parce que pas oublier ou résoudre problème cadas là. L'État gagne contrôle territoire tout bon vrai, un minimum de stabilité politique qui dans l'air, mais pas rien qui empêche que
ou encourager non seulement investissement direct étranger mais aussi investissement domestique dans sens haïtien gen type kòb yo qui trouve que conditions réunies pour que yo capable investir dans des secteurs que yo estime qui vaut la peine pour yo. On pas gen temps rentrer dans détail mais on prend rapidement troisième priorité à c'est éducation. Pas dans qu'un changement qu'on approche dans le long terme en dehors d'une priorité que l'éducation. Mais qu'est-ce que ça pour nous comprendre? Premier quelqu'un n'a pas voulu dire qu'on ferme l'école. Notamment, et une bagarre. Premier quelqu'un n'a, excusez-moi, pas voulu dire que santé. Non, l'école a fonctionné. Tout bagarre. Mais lui voulait dire que priorité a c'était sécurité. Deuxième n'a voulu dire tout priorité a justement c'est investissement. Et priorité ça peut l'exprimer à travers allocation budgétaire qu'on va faire. Ça priorité là, c'est lui qui rapporte la mariole là en termes de quantité moyen qu'on mettait pour lui. Troisième n'a c'est éducation, mais là nous éducation. C'est pour bagarre. Folklorique. Courir faire l'école tout partout sans qu'on passe sociaux de qualité professeur. Ça oui. Pour pas sociaux. Oui, mais vous avez qui très allez-y. Important pour nous dire dans la question de l'école là et précisément. Parce que dans le dernier moment, la passion politique fait que nous avons des acteurs politiques qui ont utilisé l'école comme zame politique. Et ça, bah, c'est, on va nous faire une entente sur ça. On va faire l'école là. Parce que pas capable et en dans une bataille politique. Parce que c'est très déplorable. Parce que je me souviens moi-même, l'aimé dans le primaire, la cafre au cap, avec secondaire dans le collège Notre-Dame. Et au cap, mon cher Mbappé Bomati, les aurat ont deux jours, aurat ont trois jours, au sentir ce ciel-là qui saute en l'air et puis qui plate sous la terre. Donc moi-même, je pense que par respect pour tout le monde que nous avons, qui était toujours prendre plaisir à l'école. Oui, parce que aujourd'hui, nous pas pas l'utiliser chaque fois que tu n'en pas à l'école pour quelque soit raison, même si on compte des gens qui dit oui, il y a des zones que tu n'en pas jamais à l'école, il y a des petits monde qui a problème. Ça c'est un problème pour adresser tout. Et puisque on a parlé de l'école comme une priorité et dans le pays, mais en même temps ça gain temps l'école yo. Il n'est pas logique que nous retirions l'école. Ouais. Parce que finalement, qui soit pour gagner à l'avenir, on pourra gagner de plus en plus de monde médiocre dans la société. Exactement. Et ça fait une bataille contre l'école. C'est ça. Et pendant l'éducation, ça veut dire qu'il faut ouvrir le curriculum dans tout. Ça veut dire que ce n'est pas l'école pour l'école. Ce n'est pas l'école pour réciter. Ce n'est pas l'école pour réciter sans comprendre. Mais c'est l'école qui a bon outil pour transformer la société. Ça veut dire que ce n'est pas éducation bancaire, là, genre on a dit Paolo Freire Tabadil, mais son éducation qui est capable de transformer et moun qui recevoir là et société la vivre là-dedans. Là. Donc ça extrêmement important. Mais ce qui est important, tout, ça veut dire c'est à tous les niveaux, et au niveau fondamental, et au niveau universitaire, mais aussi au niveau professionnel. Parce que je dis à la source du pays à vierge, grand pile chantier pour mettre fort gain des professionnels haïtiens qui en mesure pour avancer avant dans chantier ça yo li pas possible pour n'importe qui opération d'envergure qu'a fait dans pays a c'est dominicain qu'on a prélé c'est philippin qu'on a prélé c'est indien qu'on a prélé donc la formation professionnelle est extrêmement important on monde dans qu'on estime les gars sont monde qui est extrêmement important mais je t'ai pas donc pas pour éducation et autres donc nous pensons que dans cadre accord global là éducation est important sans bataille mais faire monde qui étudie droit même j'avais monde qui fait sciences humaines et sociales en général et du temps nous pensons tout que dans politique pour bay monde bouche surtout l'important pour ne pas seulement garder des questions philosophie à travers etc. Même parce que aujourd'hui il est temps pour que nous favorisions entre guillemets les sciences dures ça veut dire mon guinado même éducation à la science ça c'est extrêmement important parce que nous pas capable font pays uniquement de raconter histoire nous pas capable font pays uniquement d'écrire roman pendant que nous avons le respect pour nos valeureux romanciers écrivains qui a brandi drapeau pays là parce que même cela dit même pays ça qui gagne une base scientifique extraordinaire qui gagne accès à la technologie autant d'écrivains et de littéraires et pas de problème là-dedans donc cependant que... l'important pour nous faire la part des choses oui, la part des ça veut dire faut Haïti capable continuer rester puissance littéraire que lié a tout pendant la bataille tout pour que Haïti vienne puissance scientifique tout, en termes de monde qui est en mesure pour que yo avancer ensemble avec nous. Maintenant, quatrième et aspect dans quatrième quinquennat, il y a trois secteurs pour nous-mêmes, trois pôles de développement qui fondamental, c'est non seulement le tourisme, l'agro-industrie et finalement la technologie. Cinquième nan, nous dites nous, lorsqu'on fait 20 ans ça, notre stabilité politique relative, on avance avec priorité yo. Lorsqu'il vient dernier quinquennat, faut plus ou moins prendre temps pour faire une évaluation en profondeur.
non seulement dans l'arsenal juridique ou légal là, dans l'architecture institutionnelle là, etc. Faut regarder comment charpente là et comment bagarre là est. Est-ce que pas des côtés crochus qui méritent de rester et ainsi de suite. Nous dit priorité à après qu'on finit de faire réévaluation en profondeur ça, son concept qu'a fait Pierre Monnery capable de dire ça Haïti perd nos paroles comme ça. Mais attention, l'extrêmement important, c'est la transition écologique. C'est audacieux, c'est ambitieux. Nous pouvons même en mesure pour nous finir avec la transition démocratique là. Et puis voilà que bon projection fait dans 25 ans après pour Haïti va entamer la transition écologique. Nous pensons que c'est important. En dépit du fait que nous signons l'accord de Paris, tout ensemble l'autre question, mais je dis il y a problème climatique qui est réel. Et des États insulaires dans Haïti, il y a bien tôt ou tard pour faire face par rapport à eux. Donc, et en 20 ans. Si on prend par exemple par rapport avec position géographique, nous, nous sommes pays qui est continuellement victime de cyclones, de tremblements de terre, dont ensemble de catastrophes naturelles. C'est, d'ailleurs, c'est une nombre qui contribue tout. Et on va dire là, c'est à appauvrir le pays. Oui, c'est vrai. Parce que à chaque temps, nous toujours fait face à des catastrophes de c'est ce vrai, genre. C'est vrai. Ça, c'est un, une. Mais on l'autre pas encore. Nous-mêmes ici en Haïti, nous gagnons et moyens pour nous faire promotion de Santa Carello en agriculture biologique. Exactement. Parce que nous gagnons, Maliga disait que longtemps Haïti était synonyme de qualité. Donc nous avions le meilleur café, le meilleur cacao. Mais pendant qu'on parle de ça, Pascal Allier, je vais retourner sur l'aspect ça qui est toujours un thème. C'est l'aspect international de la question, l'aspect diplomatique. Et nous, à l'interne, sur tout ce qu'on dit, là, c'est de belles propositions que, au moment où nous avons mis tête nous ensemble, nous avons travaillé sur eux. Mais pas jamais lié. Il n'est pas nécessairement vrai que le pays n'a pas les paysans, mais ils veulent que nous fassions ça. Et si aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous n'avons jamais réalisé ça, nous n'avons jamais mangé chien aujourd'hui, ça a été alimenté et instruit et orchestré par des pays étrangers, nous comme l'occupation américaine. Peut-être que son chantier extrêmement important. Faut assez attentif par rapport à ça. Extrêmement important, il permet que en peu de temps, nous font entrer dans ça tout. Non seulement nous dit n'achita parler à acteurs haïtiens politiques, économiques, société civile d'où est là, mais nous pensons que sauver les paysans mieux, faut que là ne serait-ce qu'à titre d'observateur. Ça a extrêmement important pour nous te rappeler. Mais deuxième bail qui est important tout. Là nous fin garder priorité développement pays. Il faut une bataille tout pour l'autre ordre mondial. Non mais c'est certain. Là nous fin garder priorité développement pays a faut regarder tout qui meilleure coopération qui capable permettre que nous avancer ensemble avec lui. Lorsque mon projet dans même. Lorsque me dit mais combien coûte que financement développement m'ta de côté sur 25 ans. Mais bon ensemble de partenaires l'homme chita ensemble avec yo c'est ça m'a mettre devant yo et l'homme dit ça m'a mettre devant yo non seulement moi même qui n'a pouvoir mais ce qui c'est la courelle c'est la trignure le compagnie qui est important et Valdo c'est projet la trignure vous faire c'est projet bail manger vous faire compagnie qui est important si gagne un consensus national sur priorité a le moi même comme l'état comme gouvernement dans un moment X comme gouvernement moi camper tête raide par rapport à des monde qui veulent descendre à la base, ils ont toute société à l'EM. Parce que qui risque qu'on ait, c'est que pendant qu'a joué nos gouvernements qui ont tête, contradiction politique et réflexe manichéen que nous avons dénoncé tout à l'heure, qui a fait que gagner une puissance étrangère qui voit que le gouvernement là, qui a pu que la glisser sous table qui n'est pas en faveur, et il parle utiliser des nationaux haïtiens pour qu'on les renverse. On ne parle pas de deal. Jodi a là, il y a un plus gros économiste français. Et c'est là que je commence à grand monde. Je ne vais pas dire ça, je vais oublier, non, monsieur. Pratiquement 14 ans et 15 ans après Jean-Bertrand Aristide, monsieur réhabilité la thèse de la dette de l'indépendance. Et l'homme de ça, il n'y a pas besoin de vous y monter. Ça veut dire, monsieur, documenter question, il dit effectivement, et là, il est plus loin que 21 milliards que j'avais travaillé si t'as parlé à l'époque là. Monsieur dit pour lui-même, suivant calcul, que lui veut faire comme économiste, la France, par rapport à tout ça que nous avons payé en termes d'indemnité, etc., le LAP essaie de mettre lui en fonction de indicateurs qu'il a aujourd'hui à eux,
li monté à un plafond de 30 milliards de dollars américains. Mais qui s'est arrivé? À un certain moment, la France sentit que menacée par discours ça, et puis li joué le rôle que nous connaissons le jouer à la question GNB, etc. Et regardez, c'est l'histoire qui dit, ce n'est pas moi-même, mes amis. Même si nous parlons trop fort, moun qui était premier ministre qui était venu après, le rivé à Paris. Premier saldi. Il dit pas qu'il y a quelle question de dette que la France n'a pas à voir ici. Donc, l'important pour que jeune, même Jean-Samar Kemio, pas écouter le chant des sirènes qui fait que nous oublions l'histoire, nous faisons politique à fleur de peau, sans question de moins remède X, moins pas remède Y. Moi, je suis pouvoir, je suis en opposition. Je dis à l'important pour que nous accordions violon. Yo. Et c'est là où je dis, dès lors que nous accordons violon, le gouvernement qui va là, il va connaître, même le qui est tête avec ami X, ami Y, ami Z, société a solidaire de démarche là. Oui. Parce que c'est un accord national, c'est un accord global, majorité arrive à mettre d'accord sur lui. Mais combien est important? Ce que tu dis à l'heure là, l'inverse là qu'on possible tout, parce que ou qu'on voit que le gouvernement doit avoir une position qui est en faveur de la société internationale, utiliser des groupes de société pour saper le gouvernement. Gouvernement tout, société a une position par rapport à la question de la société. Et puis lui-même, il accroche l'international là au détriment de la société. Et puis je dis ça, je pense avec le dossier Venezuela. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment de part et d'autre. Ceci étant dit, dans les affaires coopération tout, et c'est là pour nous voir comment la stabilité politique la fondamentale. Bon, nous avons ces bagages. Demain matin, au ministre des Affaires étrangères, bon premier ministre, dans le contexte de crise politique tête chargée, ou comment pas vraiment bien temps pour définir une politique en matière de relations internationales, de coopération, etc. Déjà, un nombre de coups de fil à recevoir dans la journée. Parce que ça, parce que ça bagage là, on est à la fin question de ah, nazon bloqué, malu bloqué, etc. Donc, ça lui-même lui absorbe énergie acteur yo. Que moun ki nan pouvoir, que moun ki nan opposition, et ou senti que débat l'idée pour qu'on gèt la pour le fait vraiment. Ça toujours étonné, par exemple. On dit même en temps normal, ou qu'on ouè une institution qui a organisé juste un événement. Par exemple, on dit Direction nationale du livre, on prend exemple à Foufroid du livre. Et tu as l'impression que toute Direction nationale du livre, là, depuis Gagadien jusqu'à directeur général, a mobilisé dans yon activité. Ouais, comme ouais, quoi, ouais. Direction nationale du livre, là, il n'y a pas de l'autre bagage, elle a fait en même temps. Exactement. Donc, ça veut dire capacité institutionnelle, là, il faut travailler sur lui. Il faut travailler sur lui. Et pas de m'dou ça, moi-même. Il faut que des gens qui répondent avec les problèmes ponctuels, pour que des gens qui chita réfléchi sur les questions structurelles. Et même moi, m'abdou ça, je vous dis là, où elle m'a passé en revue, génération qui fait 86 là. Dans le monde extraordinaire là dans le frère. Mon cher pas bon. Souvent incompris, mal compris. On parle que ce qu'on baille rapidement. Et c'est ça qui ont inquiétude moi-même pendant l'émission a fini là. L'autre jour mal en activité avec différents l'autre monde dans société civile et acteurs politiques. Mon cher me gagne chance pour me même panel avec Edgar Leblanc fils. Que l'homme de petit monde l'école, me soyez pas pour me comporter. Journal Haïti Progrès, Cap Express, la Kaila, etc. Dans Cap Express, nous avons toujours appelé le discours que M. Tekon prononcé lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que Edgar Leblanc était professeur, c'est moi-même, c'est mon Miragouane. Il était professeur dans le collège et Jean-William Gentil et Miragouane. Nous avons dit que nous avons tout près de l'école, là, était l'école dans l'école. Là, tout. Et à l'époque, et ça n'a pas fait longtemps que nous avons rencontré M. Miragouane. Vous rappelez ça, et puis son fils a été confirmé. Il était confirmé, il était la crée, il cigarette pour lui. Donc, nous saluons, ou tout le monde salue pour ce là, qui quelque part investit dans ou pour capable poto et là. Eh bien mon cher, ma petite dimension moun son pas extraordinaire. On connaissance de l'histoire qui encyclopédique, on capacité de réflexion extraordinaire et ou dit quête ça passé. Pour qui ça toute énergie ça yo pas qu'il veut gain chance quelque part pour que yo enclencher ça pour enclencher pour pays là. Là pour moun découvrir Pierre Charles Frère, c'est bon blague non? Oui. Toute génération au pays là à l'époque, que ce soit en dedans au pays, que ce soit avec Chris Fed, vont dire sur le plan intellectuel en termes de production, etc., etc., sont pas extraordinaires. Là pour monde d'un coup Evans Paul Capi en termes de recul, sagesse et autres, c'est pas une blague non. Il n'a pas besoin de parler de Jean-Baptiste par rapport à charisme, etc., etc. Donc qui ça qui expliquait que équipe football a monté terrain et puis
Yo échoué. Haïti pas de fait quand c'était gol que le doit faire yo. Ça extrêmement important. Donc si je dis à moi-même comme acteur politique j'ai 31 ans, si me pas réfléchir sur ça pour essayer aller dans racine problème, n'aime pas bon mentir frère. Ouais dans 25 ans, l'homme qui a 56 ans, m'a venir sur panel ça. Petit Georges Mia que moi c'est parrain lui qui fait que cette fête là et qui a 25 ans à l'époque. Mon cher, m'pap bon menti, l'ap gade parrainey, l'ap gade pa pal comme nèg k'ap fè politique, même s'il pa di ça à haute voix, mais l'ap di pa fier de moun sa yo. Parce que comment faire depuis l'el fèt, moun sa yo impliqué non bagay ki rele politique, 25 ans après, li pa gen chance pour que li sorti Port-au-Prince pour la locap. Ça c'est sous jeune chance ça, il ka gen kite pays a. Il ka même pas kite pays a. Comprenez bien. Ça veut dire ouais, m'a parlé de ça mon frère, autant que m'a parlé avec en pile rationalité, mais c'est de histoire génération m'a parlé tout frère. M'ai fait 90 sami, m'ai pas jamais changé jouer dans pays qui gon minimum de stabilité là-dedans. Jodi a là, m'ai ta bien aimé l'homme rencontré maître André Michel qui sont monde qui bien formé. Même ta aimé ces deux plan 25 ans, n'a discuté. Sont monde qui bien formé frère. M'ai ta aimé l'homme rencontré Yuri la tortue, c'est de priorité développement que n'a parlé. M'ai ta aimé l'homme rencontré Guichard Doré, Libéou c'est autre. Original Boulos, Géritard Dieu. M'ta remè que c'est de ça n'a parlé. Voilà que, jodi a, on dirait que, quelle que soit capacité nous, le n'a fait politique, nous tellement pas en mesure pour nous dépasser que clivage yo, toute énergie que nous accumulons, toute connaissance que nous accumulons, li résumé à comment pour nous gérer deux grains de mois qui viennent yo, comment pour nous jouer un accord politique, comment pour nous faire un gouvernement provisoire. Et là nous dit, mais, comment après à pied après à cuit tête j'en passé le passé non li pas capable comme ça et moins penser c'est pas même une question de mouvement national pour transparence jusqu'à présent m'a parlé là pays a plein monde là-dedans c'est perspective pour nous changer pays a plein monde dans diaspora qui a regarder m'la capable c'est perspective pour nous changer donc avec un pile humilité en ranger table là moi même table là mais ça fait en ballant mais m'a mettre scaphandre m'a mettre toute bagaille m'a descendre table à mettre rangé sous la lune. M'a entendre moi avec SpaceX qui c'est compagnie Elon Musk là. M'a entendre moi avec la NASA nous pas jouer la lune parce que fuck haïtien apprendre chita. Oui, nous te connait chita déjà. Mais nous te connait chita déjà pour nous déterminer un nouveau gouvernement qui mon cap ministre, qui mon cap secrétaire d'état et puis qui résultat, zéro résultat. Jodi a nous dit en nous chita pour nous rebattre quatre là. Non pas dans cadre élection pour un parti politique dit me prend tout en moi c'est quoi pour me pas encore mais pour nous dire au moins sur les 25 prochaines années comment pour nous faire pays à passer de un pays qui pas gain espoir côté jeune yo préféré passer en bas fil pour yo aller en République dominicaine à un pays qui reprend escamp figil cap développer avant me fini bon petit anecdote ça gain deux jeunes par moi même consommer en pile contenu que jeune a produit sur réseaux sociaux gain yon ki rele Widiana Boudo gain l'autre ki rele Kalizo m'ba rappeler m non complet monsieur et puis ces derniers temps fanpil parler de yo sur internet là ou konn sa ka tire attention l'autre jour m'a regardé Kalizo k'ap fè yon vidéo li gen problème avec Widiana et puis li di Widiana m'a pas régler kozo tande m pral pinou m pral fò respecter moun l'autre semaine m pral dénoncer nan immigration dominicaine pour yo retourner dans l'enfer haïtien frèm ou konnen presque crier l'aime tande parole ça voilà que retourner dans pays nous tellement pays y a pas camper sur rien pour un jeune jodi a c'est un pi gros châtiment qui était capable gagner comprenez bien bagay la interpellé donc jodi a m'a dit à Widiana ça montre l'autre bagay tout les deux chinois arrivés aux États-Unis mettent tête ensemble ils font business les deux haïtiens arrivés en République dominicaine ils montent sur les réseaux sociaux pour jouer pour faire la guerre. OK donc moi m'a ça interpellé à un point tel que m'a vu un message à jeune ça monsieur que il a pas gagner pour regarder vidéo ça moi pense que effectivement pays a grand problème jodi a même parce que nous avons une responsabilité comme monde qui a aujourd'hui comme haïtien pour nous faire changement de telle sorte que 25 ans après si monde n'a pas fait il a pas considéré par l'autre côté capable bien à l'aise que Haïti comme une terre d'opportunité qui pas garder sous couleur pour prêter comme dans ONA qui pas garder sous pouvoir politique ou pour prêter comme dans BNC et ainsi de suite donc c'est pour ça nous même nous fixer barre la très haut dans cadre 25 ans pour nous créer d'une part la stabilité politique au service du développement socio-économique.
D'accord, merci Pascal Adrien pour échange ça qui était extrêmement instructif et assez riche. C'est ma première pour mouvement tout uni à continuer fait promotion accord global 25 ans ça. Je suppose que nous pas prendre tous les éléments mais nous prenons essentiel. Oui, nous essayons pour essentiel et m'a dit que sur réseau yo n'a pas le publier plus tard ou bien demain tout ensemble contenu détaillé par rapport à chantier yo. Pour moun critiquer, pour moun apprécier, d'accord pas d'accord, et finalement, pour la société arriver à entendre sur un kishoy. Dernier mot? Dernier mot, c'est espoir. C'est Haïtien pour changer le pays. Et li clair que 25 ans, vous avez venu là, vous avez pris bon, vous avez pris mal. Bon, il y a des gens qui peuvent décider. C'est vous-même, c'est moi-même. Mais ce n'est pas de façon isolée, c'est dans chita sous table là, pour entendre nous sur un bagage qui est plus grand que nous. Merci en pile. Mesdames, Messieurs, nous-mêmes qui avons suivi l'émission, ça l'invité du midi, c'est la fin. Donc, nous rendez-vous demain pour une autre édition. L'invité du midi, c'était pour présenter l'émission, ça, c'est l'invité au sable.